heureuse de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léon Djoléo. Débutons cette édition au Palais de la Nation où le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le directeur Afrique du groupe DP World de l'entreprise qui va assurer la construction du port en eau profonde de Banana dans la province du Congo central. Et puis le dépôt de la proposition de loi portant réglementation de l'état de siège et l'état d'urgence en République démocratique du Congo. Le député national Bertin Mobondi a déposé ce vendredi cette main au bureau de l'Assemblée nationale. Suivez. Bon, Boyebi qui est président a décrété qui état de siège occupé Nord Kivu. Ngaï, en tant que député national, n'a écouté qu'à proposition de loi pour nous encadrer, état de siège. Wana. Et donc, souci Nabiso Ezali que état de siège est fongolanzela te na makambo o ebele koya na sima. Webi, Zambokawana ekozala dirigé na ba militaire. Qui dit militaire, il y a un style militaire qui peut avoir des conséquences sur. Le vécu quotidien, il y a bana mboka oyo bazana ba mboka wana. Alors il faut qu'on encadre ango avec une loi, et c'est la proposition que je viens de déposer, pour que l'état de siège ait réellement une solution à problème de l'Est, sans pour autant perturber ma casse de vécu quotidien là-bas. Toujours à l'Assemblée nationale, le président de cette institution, Christophe Mbosso-Kodia, a appelé la classe politique et la société civile à s'unir pour l'intérêt de la nation. Les speakers de la Chambre basse estiment que face aux groupes armés actifs en RDC, il ne doit ni avoir ni majorité, ni opposition, ni société civile. Suivez Christophe Mbosso-Kodia. Honorables députés, chers collègues, en notre qualité de représentants légitimes du peuple congolais, nous avons donc le devoir et l'obligation de soutenir cette décision du chef de l'État afin que soit définitivement mis hors d'état de nuire toutes ces forces négatives et barbares, d'où qu'elles viennent. Il est donc important qu'une paix durable soit établie dans la partie orientale de notre pays. Cette paix nous permettra à coup sûr de jouir de nos richesses, aujourd'hui cause de notre malédiction et base du bonheur des bandits. Cette paix durable nous permettra ainsi de nous consacrer à l'œuvre de reconstruction et de refondation de notre nation. Honorables députés, chers collègues, l'état de siège s'avère être une posture étatique exceptionnelle qui permet à l'État de faire face à cette menace grave et immédiate de désintégration de notre pays par sa partie orientale. La légalité ne disparaît donc pas. Elle est plutôt renforcée pour sauver la patrie en danger. Aussi, notre devoir est d'accompagner le chef de l'État dans sa lourde mission de restaurer la paix, de sauvegarder l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la souveraineté nationale. Toujours à l'hémicycle, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, a conféré avec la délégation des gestionnaires de parcs nationaux après avoir échangé avec le bureau de la Commission de l'Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable. Au sortir de l'audience, le PCA du parc de Garamba a circonscrit la visite. Suivez. Il faut que les parlementaires, qui sont l'émanation de la population,
sensibilise la population pour coopérer non seulement avec les forces armées de la République, la police, mais aussi les gardes-parcs. Vous savez très bien que parfois la population est cause de la mort de nos gardes-parcs parce que en tant que population qui veut envahir les parcs, qui veut des cornes d'éléphants, ils se mettent en conflit avec les gardes-parcs. Donc il faut un travail de sensibilisation d'abord à ce niveau-là. Mais après, bien évidemment, c'est accompagner les efforts de la Fondation Virunga qui vient aider les populations locales à avoir des moyens alternatifs de survie. Ce que le président ne vous a pas dit, c'est que vous avez développé un réseau de 12 centrales hydroélectriques qui vont culminer bientôt à 105 MW. 105 MW, c'est le double de la capacité énergétique du Rwanda aujourd'hui. C'est 32 fois plus ce que le Nord Kivu avait à ce jour. Et donc, cela va permettre à ce que les populations locales puissent développer des activités industrielles, mais aussi des micro-industries et des petites transformations, mais va aussi élaguer les sécurités, parce que là où il y a la lumière, il n'y a pas le banditisme. Et donc, tout ça sont des efforts importants qui font que la communauté internationale, qui a considéré les parcs nationaux de Virunga comme patrimoine universel, vient en appui pour participer avec la RDC la sécurisation des populations, mais aussi au développement des communautés locales. Quand il y a développement, il y a moins de sécurité, parce que beaucoup de jeunes vont dans les groupes armés parce qu'il manque de quoi faire. Donc, tous ces efforts ensemble, je l'espère, vont culminer pour réduire les sécurités dans la province du Nord Kivu, en Ituri, partout d'ailleurs. Pour Xavier Donéa, il était important de contacter les responsables de parcs nationaux et les parlementaires. Suivez. Informer le Parlement en tant que président du parc de la Garamba et administrateur du parc des Virunga pour informer donc le président, après avoir informé les commissions de l'environnement, des enjeux actuels des parcs nationaux, des deux parcs dont je m'occupe ici au Congo, et pour attirer son attention non seulement sur l'importance écologique, mais aussi l'importance de ces parcs en tant que facteur de développement humain des populations riveraines et en tant que source de sécurisation des zones environnantes. Mais donc l'enjeu, on ne peut plus gérer des aires naturelles comme des grands parcs zoologiques. Il faut absolument développer les populations riveraines, en plus de la conservation de la nature, pour que ces populations riveraines s'approprient les parcs. Et donc nous avons investi massivement, notamment au Virunga, dans des grandes centrales hydroélectriques. Et ces parcs doivent aussi participer avec les FARDC à la défense des populations riveraines. Et nous sommes particulièrement vulnérables au parc des Virunga, puisqu'il y a la DF Nalu, les Mai Mai, les FDLR qui persécutent les populations riveraines et qui viennent également se servir illégalement de ressources dans le parc. Et le parc de la Garamba, lui, est un rempart à la frontière avec le Sud-Soudan, par rapport aux incursions de groupes armés venant du Darfour, venant parfois de Centrafrique, éventuellement même de plus loin. Et donc nous sommes parvenus, jusqu'à présent en tout cas, à pacifier ce parc. Il n'y a plus d'incursions massives dans le parc. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a exhorté les membres du comité de conjoncture économique à poursuivre les efforts pour l'encadrement du cadre macroéconomique de matière à stabiliser la monnaie nationale et améliorer davantage la situation économique de l'heure. Et en justice, la justice congolaise a ouvert un dossier à charge du sénateur Augustin Matata Ponyo. L'ancien premier ministre est accusé des détournements de fonds alloués à l'agro-industriel de Bukangalo Ndjoué. C'est jeudi, une demande de la levée de ses immunités a été adressée au bureau du Sénat par le PGR près la Cour de cassation. 12 députés du Front commun pour le Congo appellent le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et la Cour constitutionnelle à rejeter la destitution du gouverneur Zoé Kabila Mwanzamba, une destitution qu'ils ont qualifiée de calvaire. Les élus provinciaux l'ont fait savoir dans une déclaration faite à la presse le jeudi dernier après la déchéance du gouverneur.
24 heures après du début de l'état de siège décrété dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri. Le gouverneur Karlin Zazuka Sivita du Nord Kivu appelle ses administrateurs à appuyer son remplaçant militaire. Suivez. Je voudrais encore une fois solliciter de l'ensemble de la population du Nord Kivu, surtout les jeunes, surtout ceux qui sont dans les groupes armés, de donner cette chasse à la paix. Ce moment de temps de siège, ça va aussi être un moment pour nous, la population du Nord Kivu, de pouvoir considérer la puissance publique comme un élément important pour restaurer la paix. Je crois qu'il ne faut pas qu'on rate ces rendez-vous. Nous sommes dans la conscientisation collective. Nous pensons que c'est un moment important pour l'ensemble de la population congolaise de considérer qu'il faut capitaliser ce moment, et cela ne passera que par le soutien aux mesures que le chef de l'État a édictées. Je voudrais, à l'occasion de la population du Nord Kivu, surtout, j'ai eu un entretien avec les adjoints du gouverneur, de donner la chasse à l'équipe du gouvernement provincial qui va arriver, le gouverneur militaire et le vice-gouverneur de la police congolaise, à travailler, à réaliser leur travail. Il faut que les compatriotes qui vont arriver, leurs excellences, il faut qu'ils aient le soutien total de l'ensemble de la population. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.